Depuis que Téléphone a raccroché, il incarne le dernier groupe mythique du rock français. Les années ont passé depuis la création d'Indochine en 1981, mais ne l'ont pas marqué lui. Mieux, comme le bon vin, il se bonifie. Et son succès ne se dément pas. Pour preuve, les places qui s'arrachent pour les concerts qu'il donnera les 27 et 28 juin prochains au Stade de France, avant d'aller passer le 14 juillet à Londres. Pour y chanter peut-être la Marseillaise. Créateur du groupe, parolier, chanteur et guitariste, il n'a rien perdu de sa capacité d'indignation et de révolte, comme en témoigne le dernier album Black City Parade, dont sort un nouveau single, Traffic Girl, avec nous ce matin, et c'est un événement quand même sur RTL, c'est si on m'avait dit un jour que je rencontrerais cette star mythique que j'adore, Nicolas Sirkis. Merci beaucoup, bonsoir. Bonjour. Wow. Là, alors, attendez, il faut que je... Je me remette de mes émotions. Non, je suis très, très, très impressionné parce que moi, je vous m'impressionnez aussi. J'adore vos émissions sur l'histoire. Ils sont trop timides. C'est quand même pas rien de me retrouver à côté de vous aujourd'hui. Enfin, bref, d'accord. Vous avez une actualité très chargée parce qu'il y a la sortie de votre album Black City Parade il y a un an. Ouais. Et bien, il y a un nouveau single qui sort qui s'appelle Traffic Girl. Plus vous préparez surtout les Black City Concerts du Stade de France les 27 et 28 juin prochains. On parlera de Londres plus tard. Vous aimez ces grands concerts qui sont un peu la marque de fabrique d'Indochine? En fait, c'est l'apothéose. Là, ça fait un an et demi qu'on est en tournée et on a cette chance de pouvoir jouer dans ces... enceintes-là. Effectivement, pour nous, c'est une apothéose de cette tournée. C'est de pouvoir réunir plus de 100 000 personnes... Qui ont envie de nous voir, qui ont réservé les places depuis très longtemps, qui font de ces concerts-là, qui sont normalement réservés dans des enceintes réservées au sport, des concerts incroyables, dans une communion insensée, quoi. Donc c'est magnifique. Moi j'ai une chance énorme de pouvoir vivre ça. Et c'est vrai qu'il y a deux dates, donc 27 et 28. Oui. J'ai vu qu'il y avait, on attend 120 000 personnes, 57 semi-remorques pour 700 techniciens mobilisés, 550 mètres carrés d'écran. C'est impressionnant, une scène de 80 mètres de large. Ah oui. 80 mètres de large et puis 60 mètres, je crois, de profondeur. Enfin, qu'on a vraiment préparé un truc pour... les gens qui sont aussi bien sur la pelouse qu'ailleurs, donc on va aller voir tout ça. Ça vous impressionne pas, vous, quand vous êtes sur la scène? Je me concentre plutôt. Non, si. Non, mais la première seconde, quand on l'a fait en 2010, la première seconde, quand je suis monté sur scène, c'était très impressionnant parce que nous, on avait joué pendant 3-4 jours, on avait répété dans l'enceinte vide, et vide, ça ne faisait pas si grand que ça. Et puis, quand il y a 80 000 personnes, oh la vache. Il y a une chose incroyable avec le groupe Indochine et vous particulièrement, c'est qu'il y a à la fois des gens comme moi ont la nostalgie et vous suivent depuis les débuts, et puis vous touchez un nouveau public. On a cette chance-là, c'est-à-dire que la plupart de nos chansons parlent des conflits de génération et nous, il n'y a rien de plus fort que de voir des parents qui ont dit qui amènent leurs enfants de 15 ans on a un groupe assez multigénérationnel et c'est assez beau effectivement de voir toutes ces générations confondues, tous ces sociologiquement de réunir ça alors qu'on est plutôt dans une société ou dans un monde qui se divise. Dans nos concerts on arrive à fédérer toutes les générations, toutes les classes sociales. C'est assez intéressant. Et puis il faut voir ces concerts. Les gens qui n'ont jamais vu Indochine en concert ne peuvent pas s'imaginer ce qui se passe, parce que c'est vrai que c'est assez fort. Il y a une ambiance. Hein. Oui, il y a une ambiance. Il faudra venir. Oui, je veux dire, parce que rien que pour vivre ça, c'est des moments inoubliables. C'est vrai. Vous êtes déjà allée, Véronique, voir un concert d'Indochine? Non. Apparemment non, mais on m'a demandé. Il y a plein de jeunes, c'est incroyable. Alors qu'on pourrait penser qu'il y a des papis comme moi qui ont connu les années 80. Mais non. C'est du mal. Non, je ne me fais pas du mal. Non, ce qui est très énervant, c'est d'être à côté de Nicolas qui est plus âgé que moi. Beaucoup plus jeune. Et qui a l'air beaucoup plus jeune. Mais avouez que c'est très énervant. Non, vous êtes d'accord, mesdames, dans le public. Il a un truc, mais c'est quoi? Le rock, ça conserve. C'est ça. Mais moi qui me couche tôt, je suis sûr que vous le sexe, la drogue. Voilà, c'est ça, voilà. C'est ce qu'il faut faire. Vous êtes trop sage, Stéphane. Vous savez ça. Mais non, je devrais. Écoutez, dès ce soir, je m'y mets. On va voir demain le résultat. J'ai tout essayé d'un coup, je suis fatigué. Alors, un peu fatigué aussi. On a envie quand même de se replonger dans votre univers, pour bien resituer. Dans la
se disait quelquefois que c'était juste une aventure et que ça ne durerait pas. Et voilà, vous avez restitué Indochine maintenant, hein, ça y est, tout le monde a révisé. On s'y retrouve tous, j'ai pas envie de la voir nue, c'est aussi l'histoire de ma vie. Quand j'entends Bob Moran, je me dis, mais c'est vrai que c'est mon époque, on lisait Bob Moran. Et alors moi, j'ai chanté dans Danse avec les stars sur cette 50. Chanson. 50 Oui. Ça va. Oui. Non, mais ça va, vous les faites pas non plus. Oui. Ils sont en train de rassurer. Rassurez-le. Oui, il me rassure.